Bonjour à tous, ici Sprudex et bienvenue dans ce 58e épisode de Let's Play sur Dragon Quest Builders 2. Alors, nous sommes toujours au charbon. On a réussi à trouver un ocarina, ce qui fait qu'on a un nouvel outil qu'on va utiliser directement. Donc, il faut d'abord aller à la mine. Du côté du ancien ascenseur. Là-bas. Non? Ah non, c'est pas ça. Faut moi apprendre. Ok, alors le sud. Là-bas, ok. Allez, lui enjanter là. Sale bête. Ok, niveau supplémentaire et quelques objets. Ah, nouvelle recette. Une armure de fer. Ce serait déjà pas mal hein, par rapport à mon armure. Ok, alors ici. Ok, ça a l'air d'être par là. Allez, on refait un petit coup. Nouvelle recette, lingot d'or. C'est bien de l'or que tu viens de trouver, bravo Sprudex. C'est beau, ça brille, il nous en faut plus. De l'or, c'est de l'or, on en a trouvé.
Venez par ici, bande d'imbéciles. Heureux. On a de l'or à extraire. Bravo, Spudex. Il me tarde encore plus d'entendre le prochain rapport du soir. On vit le grand moment, pas vrai? Ok, bon. C'est pas grave. Alors, à partir d'ici... Ouais, mais je suis déjà passé par là. Bon, bah, il a l'air d'être dans le mur, hein, le... Non, ah. Encore et toujours. Ouais, mais ça va être le même filon. Sale bête. Et ah, allez, tais-toi, tais-toi, allez. Ah. Ouais, c'est le celui que j'ai déjà. Bon, on va aller dans un autre tunnel. Je suis assez loin.
quelque part loin de vous. Oui, mais bon... dit qu'il y avait peut-être l'heure dans le tunnel au sud-ouest du vieil ascenseur. Joue l'ocarina là-bas pour voir ce qui se passe. On devrait peut-être creuser un trou ici ou là, mais l'ocarina devrait montrer des murs à abattre. Donc, et si je le joue ici, l'ocarina? Alors, qui est là, hein. Voilà. Je serai dans ce mur là. On va voir s'il n'y a rien plus loin. Allez voir encore un peu plus loin. Alors, combien d'or j'aurai? Pas beaucoup, mais déjà un minimum. Alors à partir d'ici... Je ne peux pas aller plus loin. Donc on va faire l'ocarina. Eh ben tu m'étonnes, je pensais bien qu'il y avait quelque chose là. Je l'avais dit dans une vidéo précédente.
Eh bah, déjà. Oui, d'accord, il y a pas grand chose. Des cavernes immenses et vides. Quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air méchant. Ouais, si je faisais ça plutôt. Et go! D'ici. Là, zut. Près de vous, ok. Non. Ah. Ah. Incroyable, cet endroit est rempli d'or. Par ici, bande de sauvages, c'est l'heure de creuser. Jolie découverte, Spelex. Vivement le prochain rapport du soir. On a peut-être trouvé un filon d'or, mais va falloir trouver d'autres si on veut changer Bougre d'or en Golem d'or. Et si on demandait à ce drôle de truc bleu s'il sait où chercher? Je vais le faire parler, moi. À la recherche d'or. J'adore ça, mais avec mes tentacules, impossible de creuser pour le récupérer, Schlurp. Il y a beaucoup d'or ici, mais si vous en cherchez encore plus, vous allez voir au nord-est, près du grand ascenseur. Il y en aura peut-être derrière une des parois, Schlurp. Oh, et vous connaissez la grotte avec les énormes champignons? Je ne serais pas surpris qu'il y en ait là-bas, là aussi. Il y en a sûrement un peu partout, mais vous le trouverez jamais sans l'ocarina, Slurp. Au fait, si tu as un super marteau, il y a encore mieux pour trouver du minerai, tu sais, des explosifs, Slurp. Si tu pouvais trouver quelques éclats de bombes sur les roches explosives qui traînent dans les parages, je parie que tu auras une fulgurance. Alors comme ça, il y a de l'or près de l'ascenseur et des gros champignons, hein? Voyons voir ce qu'en dira l'ocarina. Bon, l'ascenseur j'ai déjà fait, donc les champignons. On y va. La grotte aux champignons. Et les boules de chaos.
On en a encore, donc tout va bien. Bah derrière cette paroi quoi. Allez, boule de chaos. Préparez-vous. Quoi? On n'a rien fait. Comment ça? Mince. Ah voilà. Nom d'une cache cassée, on vient de trouver un filon d'or. On a trouvé de l'or, les gars, de l'or. Amenez vos têtes de pioche. J'ai jamais vu autant de trucs aussi brillants. Le rapport du soir va être sacrément intéressant. On dirait qu'on a trouvé le dernier filon d'or, en tout cas pour l'instant. Une fois qu'on aura assez d'or pour changer bougre d'or en golem d'or, vos chars vont connaître un nouvel âge d'or. Je pensais pas dire ça un jour, Sprulex, mais on a réussi. Mission accomplie, remontons à la surface, le dire aux autres. Ok, bon bah, on y va. En ville. Surpassé cette fois, Sprilex. Tu as trouvé l'or dont on avait besoin. Ah, de l'or. Quand la rue est vers l'or s'est terminée, je ne pensais pas revoir un jour le plus fascinant des métaux. Mais si on peut changer bougre d'or en golem d'or, au charbon pourrait bien connaître un second âge d'or. Maintenant qu'on a accès à ces filons d'or, les mineurs devraient en remonter de plus en plus. On dirait que le rêve de Bougre d'or va se réaliser après tout. Très bien. Tu sais quoi, Sprulex? T'arrêtes pas de sourire depuis que t'as trouvé cet or. C'est bien joli tout ça, mais c'est pas terminé. Il nous faut encore des bras pour monter tout l'or dont on a besoin Bougre d'or pour se changer en golem d'or. On dirait que c'est le moment idéal pour faire sonner la cloche et faire venir de nouvelles têtes au charbon. Si quelqu'un a besoin d'aide en ville, n'hésite pas à donner un coup de main, mais perds pas trop de temps pour faire sonner cette cloche, on a encore besoin de beaucoup de travail. Alors il y a encore des quêtes. Bon, on va prendre les quêtes. Et depuis qu'on a trouvé les gisements d'or, t'as l'air plus enjoué. Je voudrais pas cacher ton plaisir, mais si on compte accueillir plus de mineurs, ce dortoir que t'as construit risque de plus être adapté. Mais je vais quand même pas demander aux gars de dormir par terre, hein. C'est pas ça qui va les motiver. Tu vas devoir en construire un nouveau, et juste à côté du bar d'argent. Il faudra une enseigne d'auberge au mur,
8 lits et 3 pots en pierre, comme dans le dortoir actuel. Mais cette fois, je veux que ça sente l'opulence. Alors fais des murs et des sols chics et utilise des meubles huppés, histoire de viser les 3 étoiles niveau élégance. T'as le choix des matériaux, bien sûr, mais personnellement, je choisirais des braseros dorés et des blocs de briques d'argent. Tu sais, de la qualité. Il faudra faire des bâtiments plus spacieux pour tout rendre, ce serait pas aussi douillet que le précédent. Mais c'est un moindre sacrifice. Alors et toi? Bien, Sprilex, tu as trouvé l'or dont on avait besoin. Et les travaux de la piscine se déroulent comme prévu. Il y a juste une chose qui me chiffonne. C'est cette odeur. Ces mineurs aux gros bras sentent à des lieux à la ronde. Je te demande, non, je t'en supplie. Je t'en conjure, rénove notre salle de douche. Commençons par faire passer à 4 le nombre de douches, ça devrait suffire. Pour accueillir plus de monde, il me faudra aussi plus de porte-serviettes, de paravents et d'éclairage, 2 de chaque pour être précis. Enfin, je pensais qu'on pourrait mettre plein de fenêtres modulables au mur. Je parie que tu pourrais fabriquer une fenêtre gigantesque si tu t'y mettais vraiment. Allez, impressionne-nous. Pourquoi je veux des fenêtres sur les murs de la salle de douche? Voyons, il ne faut pas poser trop de questions, c'est très mal élevé. Fais juste la salle de douche panoramique comme je te l'ai demandé. Ok, donc prochaine étape, ce sera de la construction. Très bien, on va fondre un peu d'or. Et on s'arrête là pour cet épisode. Comme ça, on reprendra avec de la construction. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.